Salut les petits chats, c'est Gigi Fitcat et j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui on se retrouve avec mon petit Bibao d'amour. Yo. C'est moi le Bibao. On va participer à une compétition de CrossFit, ça fait presque un an. Arrête. Un an déjà. One year. Ouais, en vrai. Un an. Oh, tu veux nous faire un petit lien? Un an. Ça fait presque un an qu'on n'a pas participé à une compétition de CrossFit et ça fait trop plaisir de revenir sur le floor. De se challenger. De voir est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on va tout casser aujourd'hui. Là on est sur une compétition en team de 3, 2 hommes, une femme, donc Bibou est avec moi et Jérémy, un pote à nous de la boxe de CrossFit, fait la compète avec nous également. On s'appelle la team... Mais le twerk des barbares, non? Ah ouais, si ça... Non, il est violent, mon twerk. Fais le tien, vas-y. Il a trop honte. La vérité les gars, il y a plein de gens autour et je pense que Bibou a honte. On est la team twerk des barbares et en vrai je kiffe trop. La compète va se dérouler à CrossFit rive droite aux alentours de Toulouse. C'est les Clash of Box et on s'est inscrit à cette compétition il y a genre 2 ans je crois, à savoir quand le Covid n'existait pas et que nos vies étaient bien plus agréables, soit dit en passant. Et du coup on avait un peu oublié qu'on avait cette compète à faire. Et qu'est-ce que tu fais? Je transpire, ça a un goût de sel. Oh mais putain, mais c'est pas possible, t'es un petit crado hein. Et du coup genre il y a un taquet de compètes de CrossFit auxquelles on s'est inscrit, on n'était pas au courant et du coup je pense qu'on va avoir plein de compètes qui vont arriver comme ça, on va même pas savoir, genre on saura la veille. Franchement ça va être hyper fun comme d'habitude. Bah le but est de se challenger, de donner le de meilleur gagner. De nous-mêmes. Le mec pro compète quoi. Ah non, on est là pour gagner hein. Dans ah non, on est là pour, ah, non, on est pas là pour, tu sais, les trucs meilleure participation. Non, non, non. La gagne. Le but comme à chaque compétition c'est de se dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes et pas voilà. De repasser. C'est notre compète ça, que Juju se challenge tous les jours. Aïe. Sérieux. Mais t'es la meilleure là. Non, il est horrible. Je vous propose de passer au meilleur moment de cette vidéo, à savoir la transpiration. Oh. Et c'est parti. A de suite. Oui. Premier wod de cette compétition, les petits chats. Ça va consister à faire 4 tours de 3 minutes on, ça veut dire 3 minutes de travail, avec 1 minute off, c'est-à-dire 1 minute de repos. Pendant les 3 minutes de travail, coucou Bibou, on commence par 12 candle stick synchro à 3, avec une plate de 10 pour les filles et une plate de 15 pour les garçons. Donc c'est un mouvement relativement chelou. On dira merci à Léa pour cette petite surprise de début de compétition. On enchaîne avec 8 fentes alternées en over. Red, ça veut dire qu'on vient tenir une haltère au-dessus de la tête. Donc là ça va être un poids de 15 pour les filles et de 22,5 pour les garçons. Et ensuite on fait 4 devil press. Donc là c'est un genre de burpees. On amène l'haltère au sol, on la remonte au-dessus de la tête au moment du saut du burpees. Et une fois qu'on a fini ces 3 mouvements là, il est censé encore potentiellement rester du temps dans les 3 minutes de travail pendant lequel on doit faire des burpees box jump over synchro à 3. Donc il n'y a personne qui se repose pendant ce wod. Je crois en mon équipe, ça va bien se passer. On va aller s'échauffer et puis ça va le faire. Évidemment, avant de se lancer sur un wod, il faut s'étirer, se mobiliser, préparer le corps à subir ce qui va se passer pendant la suite de cette journée. Moi, je fais beaucoup de mobilité au niveau du dos. Depuis que je me suis blessée, le dos, c'est hyper important. Une fois qu'on sera bien mobilisé, on passera à un petit échauffement des familles. Et puis voilà. Allez, on se remet dedans. Allez.
fait. Non, ça va, c'est bien passé. Beaucoup d'épaules. Premier wood terminé. Franchement, la vérité, je l'appréhendais de ouf et il est mieux passé que ce que je pensais. Vraiment fier de moi. Très fier de mes coéquipiers aussi qui se sont bien donnés. Très fier, vous l'avez vu, de notre coéquipier Jérém. C'est une de ses premières compètes de CrossFit et il a essuyé un très méchant Covid pendant une petite année. Venir prendre sa revanche sur une compète de CrossFit, c'est pas évident. Franchement, tout le monde a assuré. Donc écoutez, moi je propose qu'on passe au prochain wood. Prochain wood, c'est ce qu'on appelle le wood floater. Ça dure à peine quelques secondes, quelques minutes et le but c'est de faire péter la pile le plus vite possible et de donner le max. C'est un effort intense. Là, du coup, on a 45 secondes non-stop à faire sur l'éco-bike, les trois athlètes en même temps. Ensuite, on a 15 secondes de récup. Après, on passe sur 45 secondes de warm thruster, c'est-à-dire avec une espèce de gros boudin qu'on passe d'une épaule à l'autre. On a 15 secondes de récup et on part sur 45 secondes de ski erg à balle, les trois en même temps toujours. Me tarde ce petit wood. Ouais, il est parfait, cette distance. On remet à zéro là. 'Cause you know that we winning, we with it, we going, we flowing again. My lifestyle awesome, couldn't decide if my gal wanted to, so I butt them. Don't run trap, but I run up a check. Run, do it real big, gotta one up the next. Point to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich and black, so you know I'm a threat. Ah, il défonce les jambes, mais très cool, très bon. Le cœur il est monté d'un coup, comme quoi les jambes en 3 minutes on peut se défoncer. Ah, je vais pas faire plus. Les chats, je sors du wood flotter. Il était dégueulasse. Moi, ça m'a buté vraiment le cœur. Genre, l'éco-bike, c'est mon ergo que je déteste le plus. Ça te pompe d'énergie. Bon, j'ai quand même calé 13 cales. J'étais plutôt contente. Je pensais que j'aurais du mal à faire plus que 9, 10 cales. Après, les thrusters, du coup, c'était moi qui étais devant. Pas évident parce que les gars, comme ils sont plus grands, ça tirait un peu le warm derrière moi. Donc, t'inquiète pas. Je leur ai gueulé dessus parce que j'ai cru que j'allais me casser la gueule. J'étais en mode, mais putain, attendez-moi. Mais bon, on s'en sort avec 14. C'est pas dégueu. Et dernière ergo skier. Là, j'ai pas réfléchi. J'ai fait 9 cales. C'est pas folichon habituellement. J'aurais réussi à faire mieux. Mais là, avec les deux exos d'avant, c'était dur. Donc écoutez, on va aller se reposer. On a une petite heure devant nous. On enchaîne sur le troisième wood de la journée. C'est un four time. Donc au début, il y a les trois athlètes qui bossent en même temps. Il faut faire 60 pull-ups, 60 clean and jerk avec un dumbbell de 15 pour les filles et un dumbbell de 22,5 pour les mecs. Et ensuite, on fait 60 box jump hauteur 9. Après, l'athlète C, lui, il peut se reposer. Athlète A et B continuent sur 30 chest to bar, 30 clean and jerk toujours avec une dumbbell et 30 box jump hauteur mec. On termine avec seulement l'athlète A, puisque l'athlète B part au repos également, qui tout seul devra faire 15 muscle up suivi de 15 clean and jerk, toujours suivi de 15 box jump over, hein, les box hauteur mec mais en hauteur plus haute, ce qu'on appelle des high box jump. C'est Thibaut qui va faire l'athlète A parce que lui il gère hyper bien les muscle up. Moi je vais faire l'athlète B, je vais enchaîner du coup les deux tours et ensuite Jérém lui fera l'athlète C. On s'est réparti comme ça histoire que Jérém puisse un petit peu récupérer. C'est parti pour la suite des aventures.
Yes. Là, ça m'a tué. Oh. Troisième mode de la journée, les chats. À chaque fois, avant le début du troisième mode, j'ai genre, tu sais, l'espèce de nuage de fatigue qui vient m'embrumer le cerveau. Je suis en mode, wow, comment je vais aller m'entraîner sérieusement. Et en fait, très bien passé. Franchement, très contente sur les pull-ups. J'ai hyper bien tenu. Je crois que j'en ai enchaîné une vingtaine d'affilée. Sur les chest aussi, je suis contente d'en avoir calé quelques-uns parce que je passe enfin mes chest ouverts. Donc, c'était la petite fierté. Et box jump over au top. On dira merci à mon petit coach d'amou qui m'a fait bosser les box jump over. Pareil, j'en ai calé plus de 20 en mode. J'étais grave chante, genre j'étais à fond, j'étais trop contente. Et les clean and jerk sont très bien passés. Je me souviens d'une compétition. J'avais douillé, c'était l'horreur. Je galérais à amener la dumbbell de 15 au-dessus de l'épaule. Et là, franchement, c'est très bien passé. Je suis très fière de notre équipe. Je crois qu'on sort en pas loin de 13 minutes, genre 12, 50, peut-être quelque chose comme ça. Plus qu'un wood pour aujourd'hui. Ça va durer à peine 5 minutes. Et le but, c'est de faire un max au hang snatch. Donc en gros, l'athlète A fait une seule répétition, un RM en hang snatch. L'athlète B doit faire un 2 RM au hang snatch. Et l'athlète C doit faire un 3 RM au hang snatch. Et ce qui compte, en fait, c'est le total de poids qui a été snatché. Voilà, donc écoutez, on va donner le max et on va aller manger un petit bout juste avant. À plus. Du dernier wod de cette journée, quatrième wod. Donc là c'était full bar, full force et technique aussi bien évidemment l'haltéro. À l'échauffement, genre la barre de 40 passe un peu en mode un peu difficilement, pas trop déverrouillé et tout. Au moment du wod en lui-même du coup, elle passe juste mais trop bien. Donc je me dis putain, la barre à 40 si easy, validée et tout, bah go, on teste 45. Et en fait 45, en fait elle arrive à la hauteur à laquelle je peux largement l'avoir en snatch, mais j'ai pas ce réflexe de descendre pour aller la chercher et c'est ce qui me manque en fait, c'est ce qui fait toute la diff. L'explosivité les gars, je ne l'ai pas et le mental sous les barres, j'ai encore un peu de travail. Bibou a validé un 3 RM à 75. Franchement, c'est propre parce qu'il a un max à 85 à peine en snatch, donc vraiment vraiment propre. Et Jérém a validé 60 alors qu'il pensait pas forcément réussir parce qu'à l'échauffement c'était un peu dur apparemment. Donc franchement, trop fier de cette première journée, trop fier de mon équipe et on revient demain pour de nouvelles aventures. Les chats, on passe au meilleur moment de cette compétition, le petit massage post première journée de wod. Et là, je suis partie pour 15-30 minutes, je crois, de massage un peu partout. Massage musculaire et tout, on se voit demain. J'ai déjà fait le premier wod de cette journée, mais je ne voulais pas expliquer. Du coup, deuxième jour de compétition pour ma team et moi. Aujourd'hui, on commence avec un petit wod des familles qui m'a l'air bien sympathique pour démarrer la journée. Ça va être un EMOM 9 minutes sur la première partie du wod. Première minute, l'athlète A qui part et qui fait un maximum de wall ball possible. Donc ce sera moi qui serai l'athlète A et les deux autres athlètes font des air squats synchro avec celui qui fait les wall ball. Minute numéro 2, un athlète se repose, un athlète se met en hold contre le mur et un athlète fait le maximum d'HSPU. Sauf que là, on peut tourner comme on veut entre les trois athlètes, à la différence des wall ball où c'est le même athlète qui fait toute la minute. Et minute 3, cette fois-ci on part sur des deadlifts à 110 kg à 2 sur la barre, on tourne comme on veut entre les 3 athlètes et ces 3 minutes là on les répète 2 fois, sauf que cette fois-ci sur la minute 4 c'est l'athlète numéro B qui va faire les wall ball et sur la minute 7 c'est l'athlète numéro C qui fera les wall ball. Ensuite on a une minute de récupération, juste le temps de charger une barre de deadlift et là l'athlète numéro 1 à savoir moi part sur un maximum de deadlift à 50 kg, ensuite 30 secondes de récup. Deuxième minute c'est l'athlète numéro 2 qui part sur un maximum de deadlift à 80 kg, à nouveau 30 secondes de récup et ensuite le dernier athlète qui part sur un maximum de deadlift à 110 kg. Et ce sera la fin de ce petit wod des familles, on espère que ça va bien se passer.
résultat. Je peux faire sur le je suis absolument dégueulasse, c'est le mot, ça pue un petit peu au niveau des aisselles, mais le wod franchement il était canon, hyper fier de moi parce qu'habituellement les wall balls genre c'est mon démon, mais quand je dis le démon je déteste ça, comme je suis petite j'ai tendance à sauter pour envoyer la wall ball et tout et je me fatigue hyper vite au bout de 15 reps, là j'ai tenu la minute entière, j'ai fait 27 reps au total, donc très contente. Les HSPU ça s'est plutôt bien passé, après je vous avoue moi je suis pas fan du tout des HSPU sur AbMat, je trouve qu'on s'enfonce dedans et je préfère largement genre m'exploser la tête au sol et me détruire quelques neurones au passage, mais je trouve que c'est mieux, en fait je préfère les HSPU classiques sur le sol. Mais bon, ça s'est bien passé, Jérém nous a bien sauvé sur le hold et avec Thibaut on s'est bien réparti les HSPU. Ensuite au niveau des deadlifts, les deadlifts synchro, franchement je pense qu'on a bien assuré, on a bien tourné. Les mecs ont bien géré aussi pour que moi je puisse un peu récupérer là-dessus. Et après très fière de ma petite performance sur la minute de deadlift à 50 kg, j'en ai fait 27. Thibaut en a fait 24 ou 25 je crois. Et Jérém en a fait 18, très contente de l'équipe. Et donc on se retrouve pour la suite des aventures, à savoir le wod numéro 2 du jour. Ce wod c'est un 4 time, ça veut dire que c'est un wod à faire le plus rapidement possible. Ça commence par un relais de 6 tours où chaque athlète est obligé de passer deux fois. Donc le relais c'est quoi? C'est 6 calories au rameur, 12 kettlebell swing avec une KB de 16 pour les filles, 24 pour les mecs, et enchaîné avec 24 DU ou 72 SU si on ne sait pas faire les DU. Petite appréhension parce que pendant très longtemps j'ai eu les DU au crossfit. Je faisais des séries de 75 sans rep unbroken et du jour au lendemain. Dites-moi dans les commentaires les crossfitters si ça vous est déjà arrivé. Je les ai perdus, mais littéralement perdus. Je ne pensais pas que c'était possible un jour dans sa vie de perdre un mouvement qu'on avait, et la vérité c'est que si. J'appréhende un peu, mais on va croiser les doigts, à tout moment ça se débloque sur cette compète. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, on enchaîne avec 40 toast to bar synchro à 2. Donc il y a deux athlètes qui travaillent et il faut faire un relais avec le troisième athlète quand il y en a un qui est fatigué. Et une fois que ça c'est fait, on doit faire 40 thrusters avec la KB respectivement de 16 et de 24, synchro à 2 également, et on tourne comme on veut avec le troisième athlète. Et on enchaîne ensuite avec 20 kettlebell snatch, toujours synchro à 2. On espère réussir à terminer ce wod en 14 minutes. On croise les doigts. 2, 1, go.
Wood. C'était un mélange de cardio avec du cardio et un petit peu de cardio. C'est bien, chacun là à son rythme. On s'est écouté, on a bien passé, on a fait le max. Bah, t'as assuré à fond le Wood. Non, ouais. Travail d'équipe, travail d'équipe. La vérité, les gars, il a très bien assuré parce qu'il s'est mangé les 40 toasts sous bar et qu'on a alterné avec Jérém, mais c'était Thibaut qui les a assurés. Et même au niveau des kettlebells, il a quand même pris j'aime bien. De répétition. Donc, bien. Travail d'équipe. Bravo Bibou qui nous a bien sauvé sur Swan, mais en vrai, on a tous bien géré. Moi, je suis contente. J'ai passé mes DU. Putain, les gars, ça faisait un moment que j'avais un gros blocage DU et c'est passé, donc trop fière. Je pense que c'est le moment, c'est le petit moment d'exploser les pouces bleus en bas de la vidéo, histoire de nous donner un maximum de force. Donc on explose les pattes de chat, on lâche un maximum de commentaires pour nous féliciter, pour nous envoyer de la force parce qu'on donne tout sur cette compétition et on compte sur vous, on a besoin de force. Les chats, je profite d'un petit moment de récup entre deux Wood pour vous parler de comment est-ce que je m'alimente quand je suis en compète, parce que c'est assez rigolo, mais vous êtes pas mal à me poser la question en story quand je suis en compétition. En général, je prends un bon petit déjeuner le matin et après en fait je grignote toute la journée, genre dès que je sors d'un Wood, je mange un petit truc qui me cale un peu, qui me redonne un peu d'énergie pour l'entraînement d'après. C'est beaucoup de pommes potes, genre comme les enfants, pommes, bananes, voilà, pas mal de pommes potes en mode sucre rapide, des fruits, donc bananes la base. En général, il y a des petites noix de cajou, il y a aussi des petites dattes. En fait, on constatera que c'est des trucs vachement sucrés. En vrai, dans des journées comme ça, on en a vachement besoin, les gars. C'est que par petites portions, et après, des fois, quand j'ai un peu plus de temps entre des wods, je prends plus des grosses barres glucidiques plutôt que des barres protéinées. En général, je fais plutôt le plan de protéines, genre le matin et le soir, une fois que toute la journée de compète est passée. Si jamais ça peut vous aider, après c'est vraiment propre à chacun. Mais moi, c'est ma façon de faire parce que vraiment, entre les woods, j'ai pas très faim et je préfère pas avoir le ventre vide. Dernier wood de cette journée. Bon, sauf si on va en finale, mais on n'est pas très haut dans le classement, je pense, pour aller en finale. Hein, on ne nous mentons pas. Mais c'est pas grave, on aura donné le max. C'est un wood qui dure 12 minutes. On part sur un premier AMRAP, ça veut dire maximum de tours possible en 5 minutes, du coup, pour le coup. En gros, les mouvements, c'est quoi? C'est 3 push press, 6 squat clean et 9 split jerk. C'est synchro à 2 au niveau des athlètes. Il y a une barre de 30, une barre de 40. Moi, je vais être tout le temps sur la barre de 30. Les mecs, eux, ils vont alterner 40 et 30 en fonction de quand ils se retrouveront tous les deux et que moi, je serai sur le côté en train de récupérer. Ensuite, on part directement sur 2 minutes non-stop sur le bike erg. Donc là, faut donner tout ce qu'on a à balle pendant 2 minutes et on va essayer d'alterner comme il faut pour envoyer les cales. Et une fois que ça c'est fait, on repart sur quasiment le même AMRAP de 5 minutes en fait. Sauf que cette fois-ci, on fait seulement 3 split jerk, 6 squat clean et 9 push press. Et je pense qu'après le bike erg, on aura les jambes bien dégommées. Donc j'espère qu'on va assurer quand même. Et puis écoutez, il n'y a plus qu'à voir ça sur le dance floor. Sur le dance floor, n'importe quoi. La meuf va aller faire la fête. Au mental quoi. Dernier wood de cette deuxième journée de compétition terminée, les gars. À vomir. Mélange barre, pas très lourde, mais en fait tu fais tellement de reps que c'est dur. Puis t'as pas le droit de changer d'athlète. T'as tout le temps un athlète qui se tape deux tours d'affilée. Enfin, ouais, franchement costaud, mais très contente. On a démarré le quatrième tour sur l'AMRAP, le premier AMRAP de 5 minutes. On a fait 46 cales sur le bike. Donc franchement, on a bien tapé dedans. Et on a fait un tour chacun dessus. Donc c'était ce qu'il fallait. Et après, dernier AMRAP de 5 minutes, on était bien avancé dans le troisième tour. Franchement, non, je pense qu'on aurait difficilement pu faire mieux. Bah, si après, c'est de l'endurance de force. Hein. On peut toujours progresser là-dessus.
dessus, mais à notre niveau actuel, on a donné le max, on s'est pas trop reposé et tout. Je n'ai pas le classement là de suite, mais je vous partagerai le classement de cette compétition juste ici à côté de ma tête. Je suis très très fière de ma team, très fière de revenir sur les floors de compète presque un an plus tard. Et on espère que c'est que le début et qu'on pourra enchaîner les compètes sans trop de péripéties. Le twerk des barbares, on est plutôt bien sorti aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. Moi je vais aller manger. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et ciao.